bien-aimés, shalom à vous tous qui êtes branchés, surtout vous qui êtes en train de suivre l'évolution de cette grande mission de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Otomo à Bogota. Et je vous assure que nous passons des moments extraordinaires ici. Là, justement, nous sommes devant Avivamiento. C'est ici qu'exerce le révérend Ricardo Rodriguez. C'est ici qu'il exerce. Quand vous êtes en train de le voir dans les images, là, ils sont en train de nous montrer. Question de comprendre que ce qui va se passer ici, c'est en réalité une bataille contre le monde des ténèbres. C'est simplement pour essayer un peu d'illustrer ce qui va se passer ici déjà à partir de ce vendredi. Regardez les images de nos bien-aimés qui viennent de partout. Je dis bien de partout. Quand nous parlons des congrès mondiaux, c'est en réalité quelque chose d'international. Et une grande vision qui attire les enfants de Dieu de partout dans le monde. C'est beaucoup plus l'Amérique latine vient, mais aussi les États-Unis, voire même la France. Regardez les images. Avivamiento se prépare. Tous ces tracteurs, c'est pour rendre le lieu du culte encore plus splendide. L'emplacement des écrans géants, la sonorisation, la moquette. Car c'est ici que descendra la gloire de Dieu. Regardez les images des séances de répétition. Question de se préparer pour célébrer Yahweh Adonai. C'est formidable, mes frères et sœurs. Et le nombre de chaises, pour le remplir, il faut avoir une onction qui attire. Or, ce vendredi, il y aura plus de 30 000 personnes ici. Allez-y comprendre l'immensité de cet événement. Just wonderful. Il y a même ceux qui viendront de l'Amazon, les indigènes, qui traverseront des rivières par des pirogues pour venir jusqu'ici. Mais écoutons un peu le point de vue de tous ces bien-aimés. Assoiffés de la présence de Dieu, assoiffés du Saint-Esprit. Écoutez-le avec nous, on se retrouve tout juste après. Alors nous sommes des pasteurs du Bolivie et c'est la cinquième fois que nous venons ici. Cela implique de notre part un investissement en fait d'être présent ici, économique et également présentiel. Mais nous voyons également les privilèges que nous avons d'être ici et de recevoir aussi ce que Dieu a prévu ici pour ce lieu. Particulièrement, savoir de ces hommes de Dieu qui sont siendo usados, l'apôtre Léopold en Afrique et l'autre. Nous nous rendons compte que c'est un homme de Dieu qui vient de l'Afrique, avec une onction de l'Afrique, et ensuite nous avons un autre homme de Dieu qui a une onction et qui vient du Canada. Alors, lorsque nous avons deux hommes de Dieu, ou un, qui viennent ici dans ce lieu, nous sommes également dans cette perspective, de cette rencontre de ces oints de Dieu pour recevoir ce qu'ils ont et nous voulons nous accaparer, en tout cas, de ce qu'ils ont, de cette onction pour l'amener dans notre pays, la Bolivie, afin de faire l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire. Que Dieu soit glorifié à travers le monde. Je viens de l'Équateur et de la région de Guayaquil, la deuxième région de l'Équateur qui est sur la côte. Et nous sommes venus avec une délégation de plus de 1000 pasteurs d'Équateur pour justement faire en sorte que nous puissions entrer dans cette grande commission et annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Nous avons entendu parler de l'apôtre et nous savons que Dieu l'utilise puissamment. Et nous avons besoin de nous alimenter de ce que l'apôtre va nous apporter pendant ce congrès. Et ça, ceci est très important. Évidemment, nous savons que Dieu l'utilise et que lui, il va déverser ce que Dieu a prévu dans son cœur pour notre nation. Sí, mi nombre es Juan Gutiérrez, de Dallas, Texas, de la Iglesia Mundo de Avivamiento. La motivación que tenemos, aparte de la unción que hay aquí, the anointing that is in this place, we have so much expectancy. Nous savons qu'il y a beaucoup d'onction ici, mais maintenant que nous savons qu'il y a cet apôtre qui vient de l'Afrique, c'est vraiment que nous avons et nous avons besoin de cette onction. Il a cette voix comme la voix impressionnante, ces deux faits, et vraiment mon cœur est brûlant pour l'Afrique, pour le Kenya. Je suis
j'ai déjà la voyagé et vraiment c'est impressionnant comment le Seigneur touche le cœur et c'est pour cela que nous sommes venus ici pour recevoir cette grandiose onction. L'apôtre qui ahora está aquí tiene una unción que yo la quiero. The apostle has the anointing that I wanted. I want it. I want to receive. I know that he has a voice of a thunder. Él tiene una voz de trueno. Entonces Dios hará algo para nosotros. Sí, ya he visto, lo he seguido. Je l'ai suivi dans les réseaux sociaux. J'ai déjà vu ces enseignements et je sais que nous allons recevoir cette onction pour tous ceux qui sont dans l'ombre de cette merveilleuse ombre de Dieu. Esa sombría. Yo quiero decir que oui, je suis vraiment à l'expectative. Nous savons que l'onction qui va être déversée sera super puissante, pas seulement de nos pasteurs Ricardo et Maria Patricia, mais aussi de l'apôtre Leopold et aussi du pasteur qui vient du Canada. Nous savons que le Seigneur va nous donner des territoires. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour recevoir cette onction pour conquérir les territoires. Bueno, yo solamente quiero je vais vraiment remercier le Seigneur parce qu'il utilise d'une manière puissante l'apôtre Leopold et vraiment j'irai en Afrique en février et je vais y aller visiter l'apôtre Leopold et son église. Ok, je m'appelle Samia et nous venons de Ottawa qui est en Équateur. Quand le pasteur Ricardo était en Afrique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait l'église, le pasteur, l'apôtre Leopold. Donc nous avons vu la gloire de Dieu là et nous disons, oh, il va venir ici en Colombie. Donc nous attendons de grandes choses parce que nous savons que de la manière que le Seigneur est en train d'agir en Afrique, il va aussi agir ici pour nos vies et pour la vie de chacun qui est venu ici. Just wonderful. Et j'espère que vous avez suivi tous nos bien-aimés. Et par là, vous pouvez comprendre que c'est réellement un congrès mondial. Et c'est demain que l'homme de Dieu, l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo, va prendre la parole. Aujourd'hui, ce sont les enregistrements qui se font. Mais c'est à partir de ce vendredi qu'on va ouvrir maintenant les hostilités de cette grande conférence mondiale. Il y aura les assises des hommes de Dieu, de ministres, de serviteurs, de serviteurs, dont les avant-midi. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Leopold, prendra la parole à partir de 11h. 11h, heure de Bogota. À Kinshasa, il fera 17h. C'est à vous de régler un peu votre horaire par rapport au fuseau horaire. 17h, heure de Kinshasa, là où vous allez nous suivre, ça sera quelle heure? Mais nous vous rassurons que ça passera en direct sur la page Facebook de l'homme de Dieu, l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo, sur YouTube, mais aussi sur différents réseaux. Sur différentes plateformes de l'homme de Dieu, l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo. Mais vous avez remarqué en écoutant tous ces bien-aimés, ce que j'ai aimé, que l'apôtre Leopold n'est pas étranger pour eux. Ils les connaissent à partir de réseaux sociaux, mais aussi à partir de confinement. Et beaucoup plus aussi, quand l'homme de Dieu Ricardo était venu à Kinshasa, l'Amérique latine était là, en train de suivre l'homme de Dieu, l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo, et ils étaient impressionnés par l'onction qu'il était en train de dégager. Mais ici à Bogota, il y a au moins trois onctions qui vont. C'est l'idée pour un paquet de générations et de générations. Et vous avez entendu ce bien-aimé qui le disait, nous avons quitté l'Équateur, nous avons quitté Bolivie parce que nous sommes assoiffés de l'onction, mais aussi de l'onction de cet homme qui vient de l'Afrique. Extraordinaire, mes frères et sœurs. Quand on prend congé de vous, on vous fixe rendez-vous déjà demain à partir de 11h heure de Bogota, 17h heure de Kinshasa, où vous serez en direct avec l'homme buisson ardent, l'homme qui fait trembler l'enfer, l'apôtre Leopold Mutombo Kalombo. À demain.